J'étais personnellement responsable du groupe et du cluster sur la gouvernance. Le groupe voulait voir comment étudier la responsabilisation, renforcer la responsabilisation de l'usager en infraction. La peine financière n'était probablement pas suffisante pour bon nombre, puisqu'on paye une amende et puis finalement le lendemain on a oublié. Alors que l'intérêt évidemment c'est d'apprendre aussi de ses erreurs et de modifier son comportement. Et le groupe estimait que la peine financière n'était sans doute pas suffisante aujourd'hui. Envisager éventuellement des peines alternatives qui viendraient s'ajouter à une peine financière, qui serait aussi en rapport avec le type d'infraction commis, pour quelque part mieux conscientiser et laisser une trace dans l'esprit des gens de l'infraction qu'ils ont commis, des risques qu'ils ont pris pour eux-mêmes et pour les autres, plutôt que de simplement leur demander de s'acquitter d'une amende et finalement d'un paiement vite fait bien fait.